faut se faire plaisir. Elle fait 170 chevaux celle-là. D'accord, ok. Oh lui, oh toi, lui. Il est dangereux lui. Sérieux, oui. La vache. Bonjour les passionnés d'automobile, donc là nous sommes avec Antoine. Bonjour. Donc là on vient de faire une session à bord d'une MG, donc tu peux nous dire le modèle exactement? Alors c'est une MG ZS 180 de 2003. Oui. Donc c'est les premières séries de MG ZS qui étaient elles-mêmes un dérivé de Rover 45. Et on a sous le capot un 2,5 litres KV6 24 soupapes, 177 chevaux.
Donc qui était un moteur 100% Rover qu'on a vu d'abord dans la Rover série 800, puis dans les Rover 75 et dans les ZS et les ZT chez MG aussi. D'accord, ça fait longtemps que tu l'as depuis ? Je l'ai depuis, oui, 4 ans, 4-5 ans. Voilà, je l'ai acheté, elle roulait encore mais elle demandait un peu d'entretien. D'accord. Et donc je l'ai remis à flot et depuis, voilà, depuis j'ai fait 40 000 km avec. Tu t'en sers aussi en voiture normale ? Non, je m'en suis servi un petit peu au début, pas au quotidien, mais en voiture, on peut dire, oui, un peu en daily finalement. Mmh. Et maintenant, non, j'ai plusieurs voitures et maintenant je m'en sers principalement pour la piste et pour de la sortie entre copains, Arsouille, dans ouais. des belles régions, ouais, bah, cool, de la petite route surtout. D'accord. Voilà. Ok. Et là, tu es venu pour le Young Timer Festival. Ouais. Et tu es venu en tant que presse alors ? C'est ça. Moi, je pige en fait pour le magazine Young Timers oui. depuis 2015. Okay. Et du coup, voilà, on est une petite équipe de la rédaction en presse. Sympa, ouais. Donc, on roule tous ensemble. Donc, c'est rigolo. Et voilà, sous la pluie. Mais c'est une voiture très efficace sous la pluie avec un très bon châssis. Et vous avez un Instagram, Facebook ? Oui, j'ai un Instagram Soupape Spotting. Soupape Spotting, voilà. D'accord. On peut voir la vie de mes voitures et d'autres belles autos, principalement Young Timers. D'accord, et ben écoute, je te remercie. Merci à toi.